Et bonjour, voici une nouvelle balade pour aujourd'hui aller me promener dans les monts d'Ambazac. Alors après avoir quitté Ambazac par la D914, je m'engage maintenant sur la départementale 28A. Au passage sur la route sur la départementale 28A, un petit site dédié à la Vierge. Alors je suis à la recherche d'un pont romain. Voilà, je quitte donc le site du pont romain de Saint-Léger-la-Montagne. Voilà, la balade se poursuit au milieu des monts d'Ambazac. Une petite balade fort sympathique, ma foi. Au cœur de ce Limousin. Et dans ces monts d'Ambazac, eh bien, je n'en finis pas de monter. Et ici, je me dirige vers Bersac-sur-Rivalier. Voilà un magnifique panorama que l'on découvre en se rendant vers Bersac-sur-Rivalier depuis Saint-Léger-la-Montagne. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et le pouce bleu qui m'encourage, merci. Alors, c'est pas le Stade de France, mais le voisinage est plutôt sympa. Et je poursuis mon ascension vers Saint-Gousseau.
Je suis actuellement sur la route du circuit des Puys et Grandmont. Et voilà, toujours les magnifiques panoramas que nous offrent ces environs des monts d'Ambazac. Dans ces palais, les paysages qui sont magnifiques, ce sont les virages. Et nous traversons ici le torion que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Et voilà, ainsi se termine cette balade dans les monts d'Ambazac. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien sûr à activer le pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Merci, je vous dis quant à moi, à bientôt pour de nouvelles balades en Limousin.